constatait qu'il y avait à peine deux forestiers au Congo. Donc, et un forestier non qualifié qui faisait les tours de l'Assemblée du Congo lorsqu'on avait à recourir à un expert. Et donc cela était donc insuffisant avec la vision du gouvernement qui voulait, et du monde d'ailleurs, qui voulait qu'on ait plus de personnes qui travaillent à l'Institut congolais de conservation de la nature. Parce que les problèmes de l'écologie, les problèmes de la conservation de la nature devenaient un problème reconnu, alors qu'auparavant, cela était négligé. Donc on considérait que nous avons une grande forêt, deuxième poumon, on disait, après l'Amazonie, mais nous n'avions pas de chercheurs dans ce domaine. Et l'ISCN avait besoin d'avoir la relève des cadres, et c'est l'Université de Kisangani qui avait été choisie après cette consultation. Donc il s'agissait de former une masse critique au niveau des masters, donc 2 ans, et au niveau des doctorats pour relever ces défis des cadres pour travailler aussi bien dans la formation des formateurs que dans l'accompagnement de l'ISSN. Ensemble, l'Union européenne, les CIFOR et l'UNIKIS ont doté la RDC d'une nouvelle génération d'experts forestiers. Près de 200 diplômes en master et 30 doctorats ont déjà été décernés à ce jour. Ceci à l'issue d'un programme de formation tout à fait innovant pour cet établissement académique. Et on a réfléchi et on a constaté que dans le partenariat, il fallait que les uns et les autres profitent des expériences. Alors, au départ, c'était d'abord, la formation était assurée essentiellement par la partie congolaise. Et par après, nous avons associé les collègues du CIFOR, du CIRAD, d'autres universités, notamment l'université anglaise. Et on a organisé des cours en binôme. Parce que les cours à l'Université de Kisangani, dans le cadre du projet ici, c'est des cours qu'on organise en termes de crédit. Donc un crédit, c'est 28 heures. Et si le cours a 3 crédits, il y a 1,5 crédit qui sera donné par la partie congolaise et 1,5 crédit par la partie du Nord. Mais nous avons toujours souhaité, et c'est ce qui se fait souvent, que les deux membres du binôme, ou parfois c'est un trinôme, hein, que les deux soient ensemble pour échanger l'expérience. Comme ça, le Congolais profite un peu de l'expérience du collègue du Nord, et celui du Nord profite aussi de l'expérience du collègue du Sud. Pour la plupart des bénéficiaires de ces programmes, les bourses d'études en master et doctorat ont été un vrai canal menant à l'accomplissement des rêves pour nombre d'entre eux. Au début, c'était mon rêve. Je rêve d'être professeur à l'université. Et c'était vraiment une opportunité à ne pas rater. Avec le projet Forêt, vraiment, j'ai atteint mon objectif. Donc je suis à la recherche maintenant d'une bourse de doctorat, mais je peux déjà enseigner. Donc je peux être déjà assistante dans une université et je suis déjà en cours de processus, de démarches. Et avec ça, ça me met directement, on va me prendre comme c'était. Donc une fois vous êtes retenue comme assistante, vous pouvez maintenant introduire le dossier et vous serez pris comme chef des travaux. Et ça, c'est déjà un pas. Et dans le but d'améliorer les capacités d'accueil des étudiants, le projet a procédé à la rénovation et construction des bâtiments de la Faculté des sciences. Pouvant accueillir jusqu'à 800 étudiants par bâtiment, ces infrastructures sont construites en toute sobriété avec des matériaux locaux. Ici, pas d'ascenseur, pas de climatisation, les locaux sont aménagés avec un système d'aération naturelle et permanent. Tout ceci en vue de faciliter la maintenance et la durabilité de ces infrastructures. Pour les étudiants en travaux publics de Kisangani qui sont employés ici, ces travaux de construction se présentent comme un véritable terrain d'expérimentation pour eux.
question de leur permettre de mettre en pratique différentes connaissances engrangées, voire les utiliser dans l'avenir. Nous quittons l'UNIKIS pour visiter l'un des sites où le projet Foreil mène des études sur les forêts tropicales. Ici, nous sommes à la Compagnie forestière de transformation CFT. Située à Kisangani, cette entreprise a doté au projet Foreil un terrain pour conduire des essais sylvicoles sur la Formosia. On est en train de faire des essais sylvicoles. Quand je dis sylvicoles, donc cela veut dire qu'on est en train de faire des études qui nous aident quand même à étudier les fonctionnements, la croissance des arbres. Alors ces genres de dispositifs tels que vous êtes en train de le voir, nous les appelons dispositifs Nelder. Pourquoi Nelder? Parce que ça prend le nom de la méthode à laquelle les dispositifs ont été installés. L'objectif principal, c'est de faire des études qui vont aider à résoudre un problème. Quel est ce problème? Le problème crucial, c'est ce qu'on a actuellement avec cette espèce qu'on appelle Aphromosia. Donc Aphromosia pericopsis elata, c'est vraiment cette espèce est en voie de disparition. D'ailleurs, même le commerce sur le marché international d'Aphromosia est vraiment réglementé actuellement par la CITES. Ces recherches qui s'appuient sur une méthode qui consiste à planter les arbres en cercle concentrique tout en respectant les écartements et les angles visent simplement à comprendre la régénération artificielle de cette espèce. Outre sur ces terrains aménagés à Kisangani, des recherches sur la Formosia se font à Yangambi, notre prochaine destination. Après une heure et demie de navigation sur la rivière Tchopo et Lindi, puis sur les majestueux fleuves Congo, nous arrivons à Yangambi. Ce paysage fit autrefois un grand centre mondial en matière de recherches agronomiques et forestières. Notre ronde débute par l'INERA Yangambi. Ici, nous sommes d'abord reçus par le directeur du centre de recherche. Avec lui, nous bénéficions des explications sur l'apport du projet Foreil dans cet établissement donné pour disparu par plusieurs personnes. Cette institution a été créée depuis 1933 par l'arrêté royal belge. Nous avons un plan stratégique qui est initié ici à l'INERA Yangambi pour orienter et pouvoir donc nos rêves quoi. Et d'ici 2025, nous voulons que ce centre donc de recherche de Yangambi soit un centre qui rayonne donc à travers donc la RDC, à travers l'Afrique et à travers donc le monde. Je crois que avec les partenariats que nous avons avec le projet Foreil, donc surtout si fort dans le cadre du projet Foreil, dans le cadre donc dans le cadre même du projet Yangambi Pôle scientifique, et je pense que donc à travers le projet Foreil, nos rêves d'ici 25 vont se concrétiser pour que l'INERA puisse donc être un centre qui a des équipements, des infrastructures bien modernisées. Pour le directeur du centre, c'est grâce au projet Foreil que l'INERA se remet du poids de la bête. Il est vrai que nous avons beaucoup de partenaires qui interviennent, notamment comme le PNUD PIRED, il y a aussi ENABEL et tout ça. Ils ont des intérêts. Mais dans le vrai sens de nom, donc à toute honnêteté, il faut vraiment reconnaître que l'INERA a repris sa forme grâce à l'appui du projet Foreil. Et vraiment, avec toute honnêteté, je l'exprime. Et sans peur d'être contredit par une personne. Visiblement rénové il n'y a pas longtemps, ce bâtiment abrite l'herbarium de Yangambi. Avec plus de 150 000 spécimens de plantes séchées et gardées, cet herbier résume les forêts congolaises. Le passage du projet Foreil ici a permis à ces trésors botaniques de sortir de son profond sommeil. Cette salle, c'est le résumé de la forêt du Congo. Il y avait, depuis 1930, il y avait la stratégie qu'on voulait développer. La stratégie était d'inventorier, de conserver et de protéger la biodiversité, disons la phytobiodiversité du Congo. Alors, il y avait des stratégies pour le faire. Il y a d'abord la collection morte et la collection vivante.
La collection morte, c'est ça l'herbarium que vous voyez ici. Vous allez voir, ce sont des échantillons de plantes qui ont été coupés, séchés et gardés ici. Pour préserver toute cette richesse, le projet Foreil, en coopération avec les jardins botaniques de Meize, a aussi investi dans les personnels en renforçant ses capacités aux techniques de conservation moderne et à la nouvelle technologie. Désormais, une partie des collections est numérisée, la longévité des spécimens prolongée est mise à la disposition du public. Et vous trouvez, nous avons du courant. C'est grâce au projet Foreil. Voire même parce que nous ne pouvons pas travailler ça à l'Internet. Parce que nous devons entrer dans les sites pour voir le nouveau nom. C'est grâce à ça que nous travaillons vraiment d'une façon correcte. Oui, et vraiment ça, c'est un apport positif du projet Foreil pour le fonctionnement vraiment de l'herbarium. Après notre visite aux installations de l'INERA, nous nous rendons en Foreil pour visiter un bloc aménagé dans lequel se font plus des recherches sur la Formosia. Notre première escale s'est faite au pied de ce géant arbre. C'est l'arbre de l'authenticité, autrement appelé l'arbre du roi. Selon l'histoire, le roi des Belges a foulé ses pieds à cet endroit. La légende raconte même que c'est au pied de cet arbre que celui-ci recevait ses hôtes. Après les explications de notre guide, nous poursuivons notre randonnée dans cette Foreil. La fraîcheur qui y règne nous aide à bien marcher sans éprouver la moindre fatigue. Au bout d'une heure de marche, nous apercevons plusieurs arbres portant des inscriptions. Ce sont des Aphromosia. Différemment de la CFT, ici, les Aphromosia sont étudiés dans leur milieu naturel, soit une régénération naturelle. Nous sommes ici dans les blocs d'aménagement de Yangambi, qui est une forêt dédiée à la recherche. Nous nous intéressons plus à la Formosia dans ces blocs d'aménagement. On étudie beaucoup plus la croissance et la phénologie de l'espèce. Mais ici, comme je dis, ça existe déjà, c'est une forêt naturelle. On met un dispositif en place à partir d'une certaine année, ça fait deux ans qu'on fait les suivis de la phénologie ici. Plus le dispositif plan de l'année, plus ça prend de la valeur. C'est-à-dire plus on peut avoir des données fiables, un échantillon considérable pour pouvoir tirer des conclusions. Donc la différence, c'est que là, c'est un dispositif qu'on a initié, qu'on suit de la croissance, qu'on suit de la graine jusqu'à l'arbre adulte. C'est qu'il y a, ça, c'est Nedler. Mais ici, il y a plusieurs paramètres autres, il y a plusieurs paramètres qu'on peut aussi étudier. C'est ici que se termine notre promenade dans cette magnifique Foreil. Au sortir de la Foreil, nous allons visiter une autre grande réalisation du projet Ayangambi. Le laboratoire de la biologie du bois. Inauguré en 2019, ce lieu d'exercice de chercheurs est le premier de son type en Afrique subsaharienne. Avec des matériels à la pointe de la technologie, les chercheurs congolais et internationaux ont la possibilité de mener des recherches approfondies sur l'anatomie du bois et la dendrochronologie. Pour nous, c'est d'abord un bijou qui nous est attribué et aussi nous devons être sincères, honnêtes, de reconnaître le bienfait des gens qui ont implanté ces labos ici. Parce que c'est le tout premier labo en Afrique subsaharienne, comme venait de dire Brice. C'est le tout premier labo. Et ça nous permet, nous, non seulement nous, de la foresterie, mais aussi d'autres chercheurs qui mènent leurs recherches, par exemple, en agronomie. S'ils ont des analyses, ils peuvent toujours les amener ici et ils les feront sans problème. Et nous avons tout intérêt, parce que qui dit gestion durable, c'est quoi? Il faut gérer aujourd'hui et songer aussi à la vie future. Nous avons tout intérêt de bien garder ces labos parce que Mélissa ne va pas rentrer avec ces labos. C'est pour nous, des Yangambi. Et nous avons l'intérêt de les garder très très bien avec conscience. Après les laboratoires, nous visitons une des plus grandes activités du projet Foreil dans les paysages des Yangambi. Une action qui s'inscrit dans les cadres du reboisement et de la restauration des terres dégradées.
Cette grande activité vise non seulement à préserver la réserve des biosphères des Yangambi, mais aussi à développer ses paysages. Tout comme ici, à la pépinière du Saloé, ses nombreux bacs contiennent des plantules d'acacia et d'autres essences indigènes destinées à être plantées sur des terres dégradées couvertes autrefois par des plantations industrielles. De la semence des graines à l'aménagement des bacs, tout s'est fait avec minutie afin d'obtenir un nombre élevé de plantules. On préfère ici utiliser l'acacia qui produit le bois, et ce bois qui sera utilisé dans les chaudières, ça permettra aussi de produire l'électricité. Or, l'électricité, c'est un signe de développement. Depuis 2017, près de 600 000 arbres sont sortis de cette pépinière pour être plantés aux endroits retenus. Au total, 300 hectares de terres ont été restaurés. Cet espace couvert d'acacia est l'un des endroits où le reboisement a eu lieu. Outre la lutte contre les changements climatiques, cette activité de reboisement vise d'autres objectifs bien spécifiques. Il y a plusieurs objectifs à ces reboisements. On va dire, premièrement, vous avez déjà entendu parler, on compte faire de l'électricité à plus long terme. On a aussi un objectif avec ces arbres de produire du makala, puisque l'acacia, c'est un bois qui a croissance rapide, mais avec une densité assez forte, qui permet de faire du très bon makala en très peu de temps. On a des sols qui sont, de ce côté-ci, relativement épuisés. Et donc, comme l'acacia est une légumineuse, ça permet de restaurer un petit peu les sols qui sont épuisés. Donc, la fixation d'azote, puisque ce sont des légumineuses, des fabacées, qui permettent d'injecter, ou en tout cas de fixer l'azote dans le sol, ce qui est important pour la croissance, en tout cas pour la production agricole. Ça, c'est grossièrement la raison pour laquelle on plante. Après, il y a des atouts supplémentaires. On prend par exemple l'apiculture, puisque c'est un arbre qui est mellifère, et donc ça permet, disons, le temps de la croissance de l'acacia, de diversifier un peu les revenus, en offrant par exemple au paysan qui met l'arbre, disons, en jachère sur son champ, ça lui permet d'avoir un petit revenu en attendant que l'acacia grandisse. Ces reboisements se font d'un commun accord avec l'INERA, propriétaire des terres. Ensuite, les communautés locales sont intéressées afin de participer au projet. Question de susciter leur implication et appropriation, étant donné quelles sont les premières bénéficiaires. Une fois qu'on a ciblé et qu'on est tombé d'accord avec l'INERA sur les terrains qu'on va exploiter, là, on essaie de recenser tous les gens qui cultivent sur les zones qui vont être plantées. Ce qu'on appelle des domaines, on a divisé ça, on a donné une terminologie, donc des domaines et des zones. On recense les populations qui sont présentes sur les domaines qui vont être plantés avec les arbres, et on les intègre dans le processus, c'est-à-dire ils vont avoir du travail avec nous pendant plusieurs semaines pour planter les arbres et ainsi avoir un petit revenu. Ce qui pourrait compenser peut-être quelques dégâts qui pourraient arriver dans les champs au moment de passer avec les plantes. La plupart des personnes qui ont pris part à cette initiative de reboisement affirment que les primes perçues leur ont permis de résoudre certains problèmes auxquels ils étaient confrontés. Tubandaji Kusa Musala, projet forêt, colonne. Colonna, banzete. Côté à peu maboulou, de bandai pour ça, on a quatre projets forêts. On a pensé pour on a quatre projets forêts, on a séparé nous ça projet forêt ma casse pour esunginga. Par rapport à des enfants d'ici à Pamba, bon ça là dans mon côté, bandai au sunganga pour qui est les populations des Yangambi vivent en harmonie avec leur environnement.
Conscient de cet aspect des choses, le projet Forêt a mis en place un programme de sensibilisation sur l'éducation environnementale. Reconnaissant que les changements commencent par les enfants et les jeunes, les sensibilisateurs passent dans les différentes écoles du paysage de Yangambi pour enseigner aux enfants l'importance de la forêt, comme ici à l'Institut Lusambila. Dans le cadre de projets qui se met en œuvre ici, le projet Forêt, et le projet promet un peu la protection de nos ressources, surtout forestières et tout ce qui s'y trouve. Donc, c'était très plaisant vraiment de partager des moments avec eux. C'était vraiment une expérience que je n'oublierai pas. Au départ, on pensait que ça pourrait être très difficile, mais ils nous ont facilement donc aidés. Donc, ce jeu d'ailleurs et ces ateliers, toutes les activités ont été conçues de manière à ce que nous apprenions tous ensemble. C'est en tout cas les enfants qui nous ont appris et à travers toutes ces activités. Ils ont été très réceptifs. C'est après cette activité à la fois ludique et éducative avec des enfants que nous bouclerons notre séjour à Yangambi. Nous retournons à Kisangani, mais en passant par Yamongé où le projet Forêt mène aussi des activités relatives au reboisement. Comme à Yangambi, ces reboisements visent aussi à réduire la pression sur la forêt et améliorer les conditions de vie des populations. Sans plus tarder, on nous fait visiter une pépinière des arbres fruitiers. Nous sommes dans la pépinière centrale ici de Ayanongé. C'est cette pépinière qui nous sert de la production de plantils. Donc nous produisons aussi les plantils, les fruitiers. Il y a aussi les essences à bois d'œuvre, telles que les thés que vous voyez derrière moi. Et nous produisons aussi d'autres plantes en fait, dans le cadre de l'agroforesterie. Vous allez voir les pétaclétras derrière moi aussi. Et donc ça, c'est une pépinière centrale qui nous permet de produire les plantes dont on a besoin dans le cadre de l'amélioration du bien-être de la population de Yanongé. Nous faisons une distribution à la communauté. D'abord, on identifie les besoins de la communauté. Donc, la communauté se déclare ou... Ils disent de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Des fois, la communauté peut demander des safoutiers. Ils disent qu'on a besoin de manguiers. Ils disent qu'on a besoin de papayers ou des avocatiers. Donc, nous les produisons en pépinière. Après, nous les redistribuons à la population pour essayer d'appuyer dans le cadre de sécurité alimentaire. En mettant en place cette initiative, les bénéficiaires s'accordent pour affirmer que le projet Forêt a touché les vrais problèmes de cette communauté. Nous louons vraiment l'initiative des projets Forêt. Dans le sens qu'avec ces pépinières, ça vient de nous remettre vraiment beaucoup de choses que nous avions comme des difficultés. Et surtout, moi, en tant que chef de secteur, je recevais toujours beaucoup de plaintes par rapport aux arbres fruitiers. Tandis que lorsque le projet Forêt est arrivé chez moi, venir planter encore des pépinières, ça a venu vraiment nous ravir de joie, dans le sens que non, tout le monde qui avait des difficultés pour les arbres fruitiers. Il y avait toujours des tribunaux. Alors, on est en train de sensibiliser les gens pour prendre tous ces platines à les planter. Aujourd'hui, les gens ne verront pas encore cet impact. Mais 5 ans après, 6 ans après, alors il y aura l'impact positif. En considérant le nombre de plantules déjà distribuées, l'on peut donc affirmer que c'est avec une grande satisfaction que la population a accueilli cette initiative. Le coup à sensibilisation, on couvre ça, il y a projet forêt, ça va lui faire quoi tout, on a cru à coup, on a pépinière et bon, ça va tout partir, ça va quelque tout sensibiliser, tout on est chez ma femme, il y a mythe, mythe y a mbegu, il coupe mythe y a poli, le mythe va tout ambiya, mythe il a ma femme grande, comme il y a mutu, mythe y a mbegu, tu vas quand tu la mbegu, il est mbegu utakula, ça il nasa la mbegu y a ming. Ile mbegu itanupatia franga. Sasa mbegu iko tena na mafaga nyingine kumwili ya mtu. Mbegu iko na mafaa kumwili ya mtu, unakula inakupatia vitamini. Après la pépinière centrale, nous nous sommes rendus ensuite à une pépinière communautaire. À notre arrivée, nous sommes émus par les rythmes du travail. Jeunes et vieux, tous travaillent pour une cause commune. La création des pépinières communautaires. Pour fructifier la volonté et la détermination de ces communautés, le projet Forêt les a appuyés avec des matériels comme des brouettes, des arrosoirs et autres. Sisi tuko walima shamba. Tuko walima shamba, tuko wafanya makala pia. Alors, sasa tulifurahia sana wakati projet ya GML ilifika hapa ku secteur yetu ya Likanja Yanonge, précisément ku groupement Yanonge.
tuko kila mtu na kipande yake ya pori. Iko na mwenye iko na 2 hectares, mwingine iko na hectare moja. Soit mwingine anapaswa kuwa na demi hectare au soit 50 mètres carrés. Ndio sasa tulipreferé kila mtu na uba yake tujingize katikati ya projet GML kusudi miti ya acacia tupandishe ayo kuma etandie tunye tuko naye. Hormis cette pépinière, beaucoup d'autres ici à Yamangé bénéficient de l'accompagnement du projet Forêt. En outre, le projet Forêt mène plusieurs activités, comme nous l'explique Honoré Mbalaka. Il y avait un problème de terre, parce que tout le monde n'est pas autochtone. Il y a des gens qui vivent de l'agriculture, mais qui n'ont pas de terre. Il faut négocier. C'est pourquoi le projet avait négocié avec le prêtre pour faire un peu de partenariat avec cette commune, donc avec la paroisse, pour que les gens qui n'ont pas de terre puissent accéder à la terre. C'est pourquoi ici, pour le moment, on a 60 ménages. Bientôt, ils seront accédés pour l'agriculture dans la forêt des prêtres. Et aussi, à part ça, au lieu de les faire seulement entrer comme ça, il faut les former. Parce que tu peux avoir le terre à cultiver, mais tu n'as pas de semences. Tu n'as pas aussi de techniques, tu n'as pas aussi des innovations. Il faut quand même les appeler, les former. C'est pourquoi on a fait 3 semaines ici pour la formation de ça. On a formé 60 gens qui doivent travailler là-bas. Ils doivent faire la foresterie, donc agroforesterie. Il y a quand même une structure ici de Nabel qui accompagne les gens dans l'agriculture. Alors, à part l'agriculture, il y a des gens qui font quand même, qui ont avancé avec la pisciculture. Le projet est venu aussi structurer ces gens. Il y a quand même une formation qui est arrivée ici pour faire les problèmes de pisciculture. On a pris quand même, comme mon collègue Georges a parlé, il y a quand même quelques associations retenues. Partout où il s'est déployé, le projet Forêt a travaillé de façon à apporter des changements conséquents et aider les bénéficiaires de ces interventions à mieux s'approprier et pérenniser les acquis du projet. Ainsi, notre passage dans toutes ces zones d'intervention du projet ont été ponctués par des témoignages et grande satisfaction des populations ayant bénéficié des interventions du projet Forêt. Et de l'avis de tous, l'avenir s'annonce radieux partout où est passé ce projet.